Je m'appelle Stan et je suis monteur de mouches professionnel. Cette passion, qui est également mon travail, me permet de vivre au quotidien dans l'univers de la pêche à la mouche. Au cours de ma vie, j'ai pu croiser des dizaines de profils très différents. Du simple moucheur passionné au compétiteur aguerri. J'ai aussi croisé des personnes qui parlent beaucoup et qui se croient prophètes en leur rivière. Mais j'ai rencontré parfois des moucheurs très simples qui savaient leurrer les plus grosses truites avec seulement du silence et quelques plumes autour de l'hameçon. Après 10 années de pêche à la mouche, je croyais avoir fait le tour de tous ces moucheurs et avoir croisé les meilleurs pêcheurs du monde. Simplement parce que c'est en France que la pêche à la mouche est la plus difficile. Je m'étais bien trompé, car en quelques heures, une rencontre au bord de la Loue a changé ma vision de la pêche à la mouche. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ma rencontre avec Cédric Nolin, un pêcheur à la mouche hors norme. Bonjour. Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener sur la rivière Loue pour vous montrer la pêche en affavu. Donc la Loue, c'est une rivière qui se situe en Franche-Comté, à 30 km de Besançon. Entre Besançon et Pontarlier, elle prend sa source au-dessus de Moutier-Haute-Pierre. On appelle ça la Haute Loue, voilà, parce qu'on est sur la zone haute de la rivière. Après, si vous descendez en bas d'Ornans, qui est un village connu, on est sur, après sur la moyenne Loue. Dans la Franche-Comté, c'est la rivière la plus connue et la plus réputée. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas la pêche à la mouche en général, vous allez avoir du mal. Par expérience, moi ça fait plus de 25 ans que je la pêche cette rivière. J'ai vu beaucoup d'étrangers, beaucoup de pêcheurs de partout qui viennent 2-3 jours qui ne prennent pas un poisson. Et j'ai vu aussi des pêcheurs qui connaissent la pêche à la mouche, qui viennent d'autres régions, qui font aussi pas un poisson. Parce que la rivière, il faut la connaître. Il faut s'appliquer. Les poissons sont éduqués. Si vous ne faites pas les bonnes choses au bon moment, vous ne prendrez pas de poisson sur cette rivière. Il faut vraiment mettre tout en œuvre de votre côté pour y arriver. Sur cette rivière, la Loue, il y a exclusivement 2 espèces. 3 avec le chabot, mais le chabot n'est pas une espèce qu'on pêche. Les espèces qu'on pêche sur la Loue, il y a la truite et l'ombre. La truite méditerranéenne, zébrée, et l'ombre commun. Donc on va observer sur ces poissons-là des différences de couleurs et de teintes
en fonction des secteurs où il se situe. Ce qu'on appelle le mitisme. S'il est sur une gravière blanche, il va plutôt avoir tendance à s'éclaircir pour avoir la couleur presque du fond. Et s'il est sur un endroit un peu plus foncé, il va tendance à se foncer. Et on les voit très très bien ces poissons justement quand ils changent de secteur rapidement, qu'ils sont dans une zone foncée, qu'ils passent sur une zone claire ou vice versa. Parce que là, il va se démarquer du fond le temps qu'ils reviennent à reprendre une couleur comme le fond. Au combat, un nombre, ça se bat très bien, ça se défend, ça envoie du lourd, et ça tire dans le courant, ça étend son étendard. Un nombre, ça se cache pas. Par contre, il garde toujours un peu de jus à un nombre. Quand vous mettez la filoche, il est là, il débat encore, il a encore du jus. Une truite, elle va tout donner, tout de suite. Une truite, ça a une cache et ça sort pour manger. Et là, elle va chercher à se défendre pour aller chercher la cache, pour essayer de vraiment, vraiment s'en sortir. Quand vous la mettez à l'épuisette, une truite, alors surtout si c'est une belle, comme moi j'ai eu l'occasion de faire aujourd'hui, là, vous êtes rincé, mais elle aussi. Ce que je recherche, c'est un poisson qui va se battre jusqu'au bout, qui va me faire plaisir. Donc pour moi, le plus intéressant, c'est pas forcément la taille. Bien sûr, la beauté est toujours là, mais le plus intéressant pour moi, c'est le combat et tout ce que va mettre le poisson pour se défendre par rapport à moi, avec ses armes. La touche quand on le tient et que ça prend le courant et qu'on n'arrive pas à le décoller du fond, on sent que c'est un gros poisson.
Alors aujourd'hui, on a pu voir que sur la rivière, on a quand même touché beaucoup de poissons. Il y en avait beaucoup, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'il y a 10, 15, 20 ans en arrière, il y avait quasiment 10 fois plus de poissons. Aujourd'hui, il me semble essentiel de ne pas garder le poisson. Pour des raisons très simples. C'est que si on a 10 fois moins 10 ans après, si on les garde aujourd'hui, on n'en aura plus demain. Donc moi, j'ai toujours fait le choix de remettre les poissons à l'eau. Parce que, avant tout, c'est un plaisir. La pêche, ça doit être un plaisir. C'est je pêche, mon compagnon de jeu, il a sa liberté. Il a combattu pour ça. On est sur une rivière et aujourd'hui, ici, totalement no kill. Sur tous les ans, on fait des pêches électriques, on a des déficits de poissons sur cette rivière. On voit pas ce qu'il peut faire, ou ce qu'il peut y avoir d'autre comme projet que le no kill pour sauver ces espèces et pouvoir s'amuser. Il y a la pêche et les poissons, mais aussi la nature, parce que sans elle, on n'est rien. Pouvoir voir des poissons, si jamais vous allez trop vite, vous les verrez pas. Tous les débutants font la même erreur, c'est d'aller trop vite. Si vous vous concentrez, que vous arrêtez sur un point, vous regarderez dans un courant, et j'invite tout le monde qui nous écoute aujourd'hui à le faire, vous regardez un courant à un point précis, et vous verrez que si vous gardez une minute, vous aurez à un moment donné, pendant 10-15 secondes, vous verrez le fond du courant. Ça s'appelle une lumière. En fait, ça frise, et d'un coup, tac, vous avez un truc qui est tout lisse. Vous allez le voir. Partout ça le fait. Et là vous avez la chance de peut-être pouvoir repérer un poisson pour pouvoir le pêcher. Alors effectivement, quand la lumière ne sera plus là, vous le verrez plus très bien, mais vous saurez où il est et vous verrez qu'il y a une ombre. Et là vous pourrez quand même l'attaquer. Là où personne ne l'aurait vu. Et en allant doucement, et bien vous approchez aussi le poisson beaucoup plus simplement.
D'habitude, une bonne journée sur la Loue. Voilà, comme on s'amuse toujours, on la connaît et on a toujours plaisir à venir. Voilà, une des seules où je reviendrai toute ma vie. Pas que ça à faire, on y retourne les gars. Et puis il reste un peu de luminosité, donc on va en profiter.